Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je fais cette vidéo là, on est le lendemain de la première vidéo sur la Mégane. Donc on est le 10 juin. Je tenais à vous remercier, la vidéo à mon niveau a cartonné. Presque 10 000 vues en même pas 24 heures, c'est génial. Plus de 300 abonnés. Franchement, je pensais pas que ça aurait plu à autant de monde. Donc je tenais à vous remercier. Deuxièmement, comme vous avez pu voir dans le titre, on se rencontre. Bah, si vous voulez me rencontrer, bah, comme pas mal de gens me l'ont demandé, c'est pas que je me prends pour une star, mais bon, un petit peu quand même. Si vous voulez me rencontrer dimanche prochain, le dimanche 16 ou 17 juin, je vérifie. Donc ouais, le dimanche 16 juin, je serai au Volkswagen Days à Clastres. Donc il y en a pas mal qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, Volkswagen Days, c'est ça. Donc voilà, si ça vous plaît, bah, venez me rejoindre là-bas, je vous mettrai toutes les coordonnées GPS et l'adresse complète dans la description. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais j'ai ça. Des petits stickers Cars et Mecha. Sur ceux qui viennent à ma rencontre, bah, ils auront un petit sticker, ça me fait plaisir. Deuxièmement, je tenais à vous à revenir sur le moteur de la Mégane RS, parce qu'il y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé et beaucoup de questions reviennent. Je pensais pas que ça aurait intéressé. Premièrement, pourquoi je change le moteur? Je change le moteur, c'est une raison simple. Celui-là commence à donner des signes de fatigue. Il marche très bien, hein. il prend encore 400, plus de 400 km avec, mais bon, ça va, c'est pas. Il marche encore. Le seul souci, c'est qu'il commence à avoir, d'après ce que le propriétaire m'a dit, fumée bleue à l'échappement, il bouffe un peu d'huile, machin. Donc, du coup, ce qu'il a préféré faire au lieu de le refaire ou d'acheter un autre moteur comme ça, il a pris un moteur de Mégane 3 RS qui d'origine sont plus costauds que les Mégane 2 RS. Et en plus, celui-ci est forgé. Donc, qu'est-ce qu'un bloc forgé? Un bloc forgé, il y a bien le piston forgé. Donc, il est bon pour la préparation. On va y monter un turbo hybride et normalement, il espère sortir environ 320 chevaux dessus. Donc, sur la voiture, on m'a posé des questions. Donc, sur cette voiture-là, il y a une pompe à essence gros débit, il y a les injecteurs en 660, si je ne me trompe pas. Il y a une dumb valve forge, la suralimentation renforcée, gros échangeur,
enfin il change en gros volume, renforcé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après il y avait le, comment on appelle ça, l'écope dans le pare-choc qui a ramené de l'air frais à la boîte à air. Et bah c'était tout. Et puis la ligne d'échappement aussi en 70 mm. Quand on sortira la voiture, vous ferez voir ce que ça fait. Franchement ça fait du bruit. Donc sur ce moteur là il y a bien le piston forgé. On va y mettre un turbo hybride avec un embrayage renforcé vers le moteur allégé pour prendre des tours plus rapidement. Après une bonne gestion, il espère sortir 320 chevaux. Donc voilà, c'est pour ça que je prends ce moteur là. Ce moteur là il est pas mort, hein. Peut-être qu'il le refera, peut-être que je le referai, peut-être qu'il le vendra comme ça, peut-être qu'il le forgera, peut-être que voilà, je sais pas du tout ce qui va se passer sur là-dessus. Mais voilà, on va prendre ce moteur là de Mégane 3RS qu'on va mettre là-dedans. C'est juste une question de fiabilité. Mis à part ça, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je fais pour la clim. Alors je la sniffe. Ça me donne du boost pour faire les moteurs. Non, plus sérieusement, ça m'énerve quand vous me demandez ça, mais vous n'avez pas idée comment ça m'énerve. On s'en fout de comment la clim, même si je la vide dans l'air, est-ce que ça change la qualité de la vidéo, est-ce que ça change quelque chose? On s'en fout. Non, vous voulez juste savoir pour taper sur la personne. Parce qu'il n'y a pas que moi, j'ai vu d'autres vidéos où les gens ils faisaient des moteurs, mais comment tu fais pour la clim? Et le gars, bah, je l'ai vidé. Ah, mais il lui tombe dessus direct. Mais on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo, on s'en fout de comment on a fait. Même je vide lui par terre chez moi, ça, on s'en fout. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous faire passer du temps, de faire passer du bon temps sur un projet. Voilà, vous voyez l'évolution de A à Z, le redémarrage, l'essai de la voiture. Ça serait bien d'arrêter d'attendre la moindre petite truc pour taper sur la personne. C'est nul, ça sert à rien, c'est vraiment nul. La clim, je vais vous faire voir pourquoi elle était vide, parce qu'il y en a certains, ouais, mais tu vas me dire qu'elle était déjà vide. Et je vais vous faire voir pourquoi elle était déjà vide. Donc voilà pourquoi la clim était vide. Je sais pas si vous allez voir le radiateur de clim. Là, il est cassé, là, à ce niveau-là, il est cassé. Et là, on va pas bien voir, mais dans l'angle ici, là, il y a une fissure ici, donc le gaz, il n'y avait plus de gaz. Et l'autre côté, pareil, ici, là, à ce niveau-là. Là. Juste ici, une petite fissure là, et là, c'est pareil. Et donc, on a mangé pas mal de gravier, celui-là, je pense. Donc voilà, le radiateur de clim est mort. Donc c'est pour ça, il y en a qui m'ont demandé, oui, mais tu respires le gaz de clim, comment t'as fait? Tu l'as laissé échapper dans la nature? Bah ouais, bah non, il s'est échappé tout seul, voilà. Donc je dirais que ça soit moi qui l'ai fait ou que ça soit fait naturellement, le gaz il est quand même plus là, hein. Bon, en tout cas ce que je veux essayer de vous dire, c'est que faut pas essayer de trouver la petite bête pour taper sur le gars qui fait une vidéo. Vous savez, les vidéos c'est faut pas juger comme ça. Les vidéos c'est hyper long à faire, c'est y a beaucoup de travail, que ça soit de la mécanique ou n'importe quoi, c'est y a beaucoup de travail. Et quand je vois dans les commentaires les gens qui tapent sur les... Enfin, quand je dis taper, c'est assassiner les gens dans les commentaires. Bah ça fait... c'est chiant, quoi. C'est... Moi, ce que je réponds à la personne, des fois, qui critique, parce que j'ai pas mal de critiques aussi. Hein. Du coup, quand il y a des personnes qui critiquent comme ça les vidéos, bah moi, ce que je leur dis, bah, fais une vidéo sur ta voiture, un embrayage, n'importe quoi, un moteur et tout, mets-la sur YouTube, et toute la communauté, on va venir voir ta vidéo, et on verra si ça va te plaire. Mais évidemment, ça se passera jamais, c'est mieux de laisser un commentaire anonyme, tu fais de la merde, machin, et puis après, bah. Mais bon, en attendant, c'est la dure loi de YouTube. Je vous dis ça parce que c'est juste chiant, quoi, de passer autant de temps et puis d'avoir de la critique. Sur la Mégane, j'ai pas eu énormément de critiques, j'ai rien eu du tout. Je suis plutôt assez content en fait des commentaires et puis des likes qu'il y a eu. C'est plutôt sympa. Mais bon, c'est de manière générale, je fais jamais de coup de gueule, mais là, c'était comme ça. Donc bah moi là je suis avec le moteur de la Mégane, je vous prépare, donc on est le lundi, c'est le jour de la Pentecôte, je crois, lundi 10 juin, là je vais commencer à vous tourner la vidéo pour dimanche prochain, je vais commencer à monter le moteur sur le support moteur, celui-là je vais démonter la boîte, l'embrayage, le volant moteur, ainsi de suite, et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous voulez me rencontrer, ça sera dimanche prochain à Clastres pour les Volkswagen Day, je vous mettrai toutes les coordonnées en description. Et j'espère bah en voir quelques-uns, ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je vous dis bah à très bientôt, hein, pour la suite du moteur. Allez, salut.